Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. C'est difficile aussi de parler. On a débuté bien en match. On a ouvert nos scores. Et après, on s'est relâché un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. On a perdu un peu la concentration. C'était dommage. Le but à la fin de la première période. Et aussi au début de la deuxième période, c'était difficile. C'était un but que normalement on ne prend pas. On n'était pas attentif. Mais c'est comme ça. On doit lever la tête et penser à le prochain match. D'essayer d'être mieux à chaque match. Et oublier tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas le vrai Paris Saint-Germain qu'on connaît. Thiago, plus de 100 ballons perdus pour les Parisiens. Vous avez perdu aujourd'hui plus que 100 ballons. C'est très rare pour Paris. Quasiment un seul tir cadré sur le but de Cavani. C'est quoi ? Il y a un problème tactique, il y a un problème de physique, il y a un problème quelque part ? Non, je crois pas. Parce qu'on a bien travaillé. Et même comme ça, c'est le début de le championnat. C'est pas une excuse parce qu'ils ont bien joué, ils ont été très solides défensivement, plus attentifs que nous. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais il faut regarder tous les efforts qu'on a fait aujourd'hui pour essayer de faire mieux le prochain match à domicile et après à Metz avant la sélection. On doit se préparer bien, on doit élever la tête et penser le prochain match c'est le plus vite possible. Paris a besoin de calme, tout ce qui se passe autour de Neymar, ça ne perturbe pas le groupe. On ne sait pas s'il sera là, s'il ne sera pas là. Ah, c'est difficile, non ? Je crois que pour tout le monde, pour le club, pour le joueur, pour nous. Mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas ça qu'on a perdu la concentration aujourd'hui. Né, il n'était pas là. On doit penser à nous, tout ce qu'on doit faire cette saison. C'était dommage. Le deuxième match de championnat, déjà en défaite. J'espère que c'est pour être le dernier de la saison, surtout au championnat.